on dirait peut-être sans filtre, hein, je vous le rappelle. Donc, vous voyez aucun truc sur l'écran. Parce que les filtres, maintenant, quand tu mets les filtres, il y a toujours les écritures qui apparaissent sur l'écran. Donc là, je suis en mode naturel. Parce que quand je parle à Mvoutou, je dois être naturel. Chaque fois que je m'adresse à Mvoutou, je dois être moi, Madame Chopard. Sans filtre. Je ne vais pas vous dire partager le direct, parce que je n'ai pas besoin de ça. Quand je veux que ça prenne, comme j'ai fait dans la publication où je me suis adressée à ma fille Muriel Blanche, certains sont venus dans sur mon mur dire « Oh, tu es jalouse, tu es ceci, machin. » Muriel Blanche, c'est hier. C'est une enfant. Elle m'appelle Tata. J'ai son numéro. J'ai son numéro. Je vous ai dit qu'on a fait Paris-New York ensemble. J'ai son numéro. Tout ce qu'elle publie en privé, je vois sa statue. Je l'appelle. Quand j'appelle, elle voit mon numéro. Elle décroche. Quand elle décroche, je dis, Tata, ça va? Je dis, oui, ça va. C'est Tata Marthe. Voilà. Et quand je m'adresse à elle, c'est pour que... Ça, c'est une parenthèse. Hein. Quand je dis... Quand je tague Muriel Blanche sur ma publication, c'est pour lui dire de revoir son entourage. C'est pour lui donner conseil. Parce qu'elle est nocive dans les réseaux sociaux. Elle ne connaît rien. Je suis une doyenne des réseaux sociaux. Je suis là depuis plus de 14 ans. Et je suis là pourquoi? Parce qu'on m'a publié ma chatte sur les réseaux sociaux. Je suis là depuis. Je suis de la diaspora. Je ne suis pas en quête des mal élevés followers qui sont au Cameroun, là, qui, dans l'Afrique, où tu envoies 1000 francs de méga ou 2000 francs pour insulter les gens sur les réseaux sociaux ou bien pour te défendre. Non, je ne suis pas dedans. Quand je tague Muriel Blanche, elle a compris que Tata est fâchée. Et quand je lui dis les choses, ça veut dire qu'elle doit changer. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est elle qui est influenceuse, ce n'est pas ton mari. Son mari ne connaît rien des internets. Même la page de son mari, je suis sûr à 100% que c'est elle qui gère ça. C'est elle qui a créé cette page. Et c'est elle qui gère. Voilà. C'est pour ça que je l'ai interpellé que les personnes que vous avez prises pour représenter le Cameroun en Côte d'Ivoire n'étaient pas dignes de représenter cette marque de Njambo en Côte d'Ivoire lors d'un événement aussi important qui est la Coupe d'Afrique des Nations, où le monde entier est figé. Voilà. C'est pour ça que j'ai interpellé Muriel Blanche sur Internet. Je crois qu'elle a compris aussi mon message. Sinon, elle m'aurait déjà bloqué. Et je m'en fous qu'elle me bloque. Elle le sait. Voilà. C'est une petite sœur. Pas un enfant, parce que moi, je ne peux pas la coucher. C'est une petite sœur que j'appelle ma fille. Elle m'appelle Tata. J'accepte qu'elle m'appelle Tata. Si j'accouchais à 15 ans, j'allais accoucher Muriel Blanche. Les enfants aujourd'hui accouchent à 15 ans. C'est une parenthèse. Mvoutou. Tiens, la clim, c'est un cadeau. Parce que quand je parle à Mvoutou. Et voilà pourquoi, comme je vous disais, je n'ai pas besoin de dire partager le direct, parce que j'ai la carte de crédit qui fait en sorte que quand je vais finir mon direct, si je veux que ça parte, j'appuie. Pour qu'au moins 1 million de personnes voient. Facebook a cette option-là, où tu peux payer avec la carte de crédit pour toucher beaucoup plus de monde. Donc, pas besoin de dire de partager le direct, partager, pas besoin de ça. Voilà. Comme je vous disais, la publication des pseudo-influenceurs qui sont allés en Côte d'Ivoire, envoyés par le mari de Muriel Blanche, j'ai payé cette publication pour que ça touche beaucoup plus de monde. Parce que c'était... On ne touche pas à mon Cameroun. On ne touche pas au Cameroun. On ne touche pas à mon Cameroun. Non. À l'international, vendons le Cameroun. On dit le linge sale se lave en famille. C'est pour ça que tu touches à ce papa, Samuel Eto'o. Tu me touches personnellement. Le linge sale se lave en famille. C'est pas parce que tu dénigres, tu vas aller saler le Cameroun que ta vie va devenir propre. Non. Que le Cameroun va changer. Non. 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 Le parti va vendre notre Cameroun à l'international négativement. Je ne suis pas d'accord du tout. Même si c'est toi qui me donnes quoi, je te dis, fous-moi le camp. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai interpellé Muriel Blanche.
par rapport à cette publication, parce que quand une femme se met nue devant un homme, l'homme exécute tout ce qu'elle dit. Et je suis sûre que c'est Mireille Blanche qui a envoyé ces gens qui sont ses amis proches en Côte d'Ivoire. Mais elle a fait un très mauvais choix. Elle a fait un très mauvais choix. Elle qui voyage à l'international, pour une... Si c'était pour leur offrir un voyage, pour une fois, pour qu'ils prennent l'avion, et elle devait donner les consignes, parce qu'elle voyage beaucoup. Quand tu voyages beaucoup, tu as déjà l'esprit éveillé. Tu as déjà l'esprit qui est déjà éveillé. Mireille Blanche voyage peut-être, ça fait moins de 5 ans qu'elle est dans les avions business class, machin, tout ça là. Ça fait moins de 5 ans. Nous, on est dans depuis 23 ans, depuis les vingtaines d'années. On a vu le monde entier avant elle. Et on connaît notre Cameroun. Je veux pas aller me compter, je veux pas aller me mettre à Rio de Janeiro ou je sais pas où pour commencer à comparer le Cameroun au Brésil. Désolé, je n'ai pas compris. Ou je sais pas. Récemment, je suis allé aux États-Unis, ça fait 3 ans que je vais aux États-Unis. Ou bien, nous, j'ai vécu en Europe. Malgré que j'ai vécu en Europe, j'ai voyagé tant en Europe. Parce qu'il y a des personnes là qui vivent, qui ont atterri qu'en France, qui n'ont jamais été nulle part ailleurs qu'en France ou en Europe. Mais moi, j'ai fait le tour du monde. Presque. Il me manque juste le pays à aller maintenant, c'est l'Australie. L'Australie. Je suis camerounaise, je demeure camerounaise. C'est pour ça, Vanister, tu as tout mon respect. Quand tu vois, tu mets le drapeau du Cameroun en exercice, tu mets le drapeau du Cameroun en haut. Je te demande, qu'est-ce qui se passe avec la... Excusez-moi. Je pense qu'il y a un problème avec le réseau en ce moment. Mvoutou. J'ai déjà parlé via Obiko. J'ai pas envie de parler seulement boulot. Mais je vais mettre certains propos. Parce qu'un membre de ta famille m'a contacté. Martin, le chiffre, c'est la fête de quoi? Je ne suis pas catholique de 1. Je suis pentecôtiste. Je suis évangéliste. Je suis un enfant de Dieu. Donc, les cendres là, enlevez-moi dedans. Je ne suis pas dedans. Carême, je ne le fais pas. La fête de l'amoureux, de l'amour, oui, c'était hier, le 14 février. Voilà. Mon amour ne se vit pas sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait auparavant parce que je sais ce que c'est que publier l'amour sur les réseaux. Ça veut dire que tu veux attirer l'attention parce que tu es malheureux. Moi, au début, avant, je faisais ça parce que j'étais malheureuse dans le couple. Quand je publiais, ça veut dire que j'étais malheureuse. J'avais envie de me consoler par les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Maintenant, mon vrai amour se vit hors des réseaux sociaux. Je peux vous publier comme j'ai publié la nourriture à mon mari m'a envoyé qu'on me livre les trucs de la nourriture parce que voilà, il sait que j'ai mangé. J'ai mangé en bas et en haut, j'ai mangé. Donc, c'est pour ça que c'est mon meilleur cadeau de Saint-Valentin, c'est la bouffe. Ah ah, c'est tout. Le reste là, c'est enfantin, c'est pour les enfants, c'est pour les nouveaux amoureux. C'est que voilà, laissez-le la place. Mvoutou. Maintenant, ma coba, ma filtre. Je suis naturel. Mon mamien. Mon angora boule et bolva. 100%. Quand je dis 100%. Bonjour, ma fille Sylvain Longoria. Quand je dis 100%, parce que ça me rend bien, ma. Alors, mon angora, déjà fou. Angalou ou gabonaise, de Bengabiama, état civil. Mon amour, là, le couple en Gabi. Je suis le troisième enfant du couple Diaba Yologustin et de Dima Meros. Bambo, mon souvenir à Malou. Ceux qui étaient devant moi sont décédés. Oh, donc, maman, que l'into.
C'est moi qui suis resté le nez. Je parle. Ça passe bien quand ça parle en boulou. Quand ça... J'ai dit, c'est même Kouminkara. On tout le monde, papa, Rabiaï. On va où? Ma femme. Et n'y a pas de bataille, n'y a pas. On tout le monde, papa, Rabiaï, tout le monde, on va venir à 68. Alain, ça l'a dit, pas Alain. Et n'y a pas de bataille, il y a un Rabiaï Johnny. C'est elle que je suivais. Née le 17 juillet 70. Elle a bien gâté, maman, un an. Mon mari a savane pour que n'a pas bien. Mon mari a savane pour que n'a pas bien. Vous savez, je parle de ma boule parce que ça passe. Je m'adresse à une fille boule. On m'a donné la condition ce matin qu'elle est 100% boule. Parce que je cherchais son géniteur. Je cherchais son parent, son père. Je cherchais le père de Mboudou. C'est pour ça que je m'exprime en boulou, de ma comme boulou. Tu comprends? Je n'aime pas tirer. Je n'aime pas tirer sur les sudistes, sur les boulou. Parce que ce n'est pas tous les sudistes qui sont boulous, il y a des Ntoumou, il y a des Mveng dedans. Il y a même les... Non, il n'y a pas le Fang au Cameroun. Le Fang, c'est au Gabon et au Guinée équatoriale. Je me suis levé le matin. Parce que je dors... J'ai pas envie de me vanter. Je dors au Cameroun. Je me réveille pas avant 9h. Il y a des fois, j'ai des coupures de sommeil. Parce que je suis responsable de famille. Si on me réveille, moi, quand on me réveille, j'arrive plus à trouver le sommeil. Donc, quand je me rendors là, je ne ferme pas mon téléphone. Je ne mets pas sur silencieux. Parce que j'ai des clients. Je suis commerçante. Moi, je cherche mon agent d'abord sur Facebook. Donc, il y a des clients, quelqu'un peut m'appeler. Elle est au Canada, elle est aux États-Unis, elle est en Australie, elle est au Brésil, elle est je ne sais pas où. Marthe, il y a des personnes que je porte sur mon épaule. Donc, je ne mets jamais mon téléphone sur silencieux. Voilà. C'est sombre, tu veux voir quoi? Tu veux pas mon visage? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je me cache pas, je suis chez moi. Voilà, voilà la télé. Vous croisez tous l'appartement sinon. C'est sombre parce que quand il y a la clim, quand il y a la clim, on ferme tout parce qu'il fait extrêmement chaud maintenant au Cameroun. Donc on ferme tout pour que l'air ne s'échappe pas. On ferme tout. Parce que la clim est allumée. Voilà. Moi, j'ai chaud. Il fait très chaud en ce moment au Cameroun. Bref, ne venez pas me... Ne venez pas me... détourner de mon sujet. Et vous tous, depuis là, j'ai envie de te lâcher. Président Amout m'a appelé l'autre jour. Tu as recommencé. Avec ta soeur, j'ai dit à Pézamo, toi, tu ne m'appelles même pas par rapport à ça. Parce que c'est toi qui nous a jeté en France dernièrement. C'était au mois de... Il nous a fait un semblant de pélagan. Pas la paix. J'étais en France, j'ai voyagé au mois de... d'octobre. Voilà, fin octobre, Pézamo nous a mis en conférence. Et vous moi. Je n'ai pas fait les choses comme... qu'on me dise de faire. J'ai la capture où j'étais en conférence avec Mvoutou, président mon témoin. Je ne sais pas ce que président mon lui-même cherche souvent. On ne peut pas faire la paix avec tout le monde. On peut pas faire, tu ne peux pas dire que tu fais la paix avec ce qui ne peut pas être paix. Et ce matin, je comprends pourquoi Mvoutou est aussi perturbé.
Ce n'est pas le sabotage. Vous savez que moi, je ne fais pas dans le sabotage. Je suis allé sur le mur de Guinée, chapitre de Démon. Je leur ai dit, efface la capture d'écran de montage WhatsApp qu'on a fait sur un bouton là. Qu'elle veut ceci, ça. Moi, j'ai eu ça. Les gens font le montage WhatsApp. Quand tu es droit dans ton combat, reste droite. Ne fais pas dans le mensonge. Efface la capture là, parce que ça va te discréditer. Elle a effacé, elle a mis une photo, une autre photo d'un Mvoutou. Ça, j'ai aimé. Voilà. Je reçois l'appel ce matin. Pas l'appel. La personne m'a écrit, elle a encore effacé. Vous savez, quand tu dors, les gens, quelqu'un t'écrit un message, après tu vois, tu trouves qu'elle a effacé. Comme c'est une personne que je considère, je dis, pourquoi tu as effacé le message? Parce que je ne l'ai pas lu. Elle a préféré m'appeler. Elle m'a dit, je suis dans la famille très intime de Marlène qui insulte la première dame et tout ça là. Cette femme est perturbée. On a parlé en boulot. Elle m'a dit, Joyena, un aigle, en est incarné sans bobo. Aigle. L'aigle qu'elle a tatoué entre tes cuisses n'a plus de valeur. Joye 2, dis-lui que l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses. Je dis, comment ça? On parlait en boulot, je dis bien, on parlait en boulot. Dis à Mvoutou que l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses-là. Vous voyez, dans son entrecuisse, il y a l'aigle qui est tatoué parce qu'elle a mis ça, qu'elle va voler haut comme l'aigle. Donc, quand elle me dit ça, moi j'ai commencé à rire, j'ai dit l'aigle est devenu chat. La personne a éclaté de rire. Elle dit, ma, toi, tu sors souvent avec les yeux. J'ai dit oui. Le chat commence à miauler sur Facebook parce qu'elle croyait qu'elle va être l'aigle qui va voler haut. Elle croyait qu'elle va être l'aigle qu'elle va voler haut. C'était une discussion rude. Hein? La personne me connaît très bien. Ce n'est pas sur le virtuel que la personne me connaît. La personne me connaît face à face. La personne me connaît très bien. Je dis comment ça? Elle me dit, alors que tatoué, aigle, c'est ça, me bémer. Naibona, elle va voler haut. C'était bien réfléchi pour elle, sauf qu'elle a trempé. Madame Chopin ne fait pas dans le sabotage. Je vous ai dit, je ne mets pas le filtre. Je ne mets pas le filtre. Je ne camoufle rien chez moi. Maintenant, non, bah, Dieu, j'ai dit que. Non, bah, Dieu, là. Bon, toi, Guy Baïko, ici, c'est mon mur. Voilà. C'est mon mur Facebook. Je m'appelle Madame Chopin. Et je m'adresse à ma soeur Boulou. Ici, là, je ne fais pas dans votre machin. Je m'adresse à Marlène Mvoutou. Pour vous dire que où vous êtes de la basse, où vous êtes de quoi là, moi je fais pas la politique, hein. Je suis apolitique, donc ne venez pas confondre mon mur. Que l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses, j'ai pas envie de dire à Marlène, vous allez filmer son entrecuisse pour venir monter sur Facebook parce que c'est malsain, mais elle a l'aigle, elle-même le sait. Qu'elle a tatoué l'aigle entre ses cuisses. Et ce n'était pas un simple tatouage. Elle devait voler très haut. Elle voulait voler très haut.
C'est une femme qui pratique à un niveau qui n'a pas de nom. Elle-même vous l'avoue qu'elle n'est pas passée. Elle n'était pas malaise. Tout ce qui reste, tout le monde dit à Wonlo, allez avec les séquelles. Il te reste les séquelles de la richesse parce qu'il était question que tu diriges ce Cameroun avec ton père, géniteur, amant, parce qu'il jouait deux, trois rôles dans ta vie. Elle, il jouait trois mendoseux, paix à son âme, ses pantalons. Il jouait trois rôles dans sa vie, dans ta vie. On me l'a confirmé. Parce que dans ma tête, ce monsieur était l'amant de ta mère là. Mais on m'a dit non, Matt, on te donne le macatoronia diam. C'est la fille génitrice de Mendoza. Mendoza en Gabiagne. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas le seul enfant de sa mère que Mendoza a fait avec sa mère. Mais c'est elle qui avait beaucoup de vous. Parce que ce monsieur, Abba Bouma, il couchait avec ses enfants. C'était ça son pouvoir. C'est pour ça que quand vous parlez de Mendoza sur Facebook, Malène devient folle. Vous comprenez? C'est son père géniteur. C'est son père géniteur. Et là-haut, on le sait. Elle n'est pas le seul enfant que Mendoza a eu avec sa mère. Elle n'est pas le seul enfant. Il y en a que ça, les enfants de sa mère. C'est elle qui est allée au lit. Parce que le pouvoir de ce monsieur était de coucher avec ses enfants. L'inceste. Vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi elle a publié mon père. Parce que moi aussi, quand j'étais en Suisse, je faisais des clashs comme ça, sans base, sans je dis ton père que tu as couché avec. Moi aussi, je dis ça comme. Quand j'ai touché ce point, elle est devenue malade. Elle est devenue malade. Malène est devenue malade. Quand elle avait pris mon père, Malène avait pris la photo de mon père, la photo de ma chatte qui a été publiée sur les réseaux sociaux, et la photo du ministre avec lequel je sortais. Elle a fait un montage, elle a publié avec qui je sortais. Parce que quand tu touches, Je suis en train de bloquer parce que là, je suis très sérieuse. Les personnes viennent me distraire, je ne vous permets pas. Elle est la fille biologique. C'est pour ça, dernièrement, il y a Fashion Police Congossa. Fashion Police Congossa a publié une capture où Marlène était dans son naturel. Le nez. Elle est la photocopie de son père. Hein. Le nez. Est sorti, j'ai fait la capture là, je n'ai jamais publié ça. Je n'ai jamais publié la capture là. J'ai dit, mais c'est quel nez que Marlène a comme ça? Ça, c'est le nez de Mendoza. C'était l'homme le plus laid du Cameroun, tout le monde le sait. Amba Montana Yo, c'était comme on dit chez nous, à Yoromot, il est Amba Bey à la Bemot. À Bey. Aïe, faut aller dolé. Aller bam. Aller coucou. Marlène est la photocopie conforme de son père. Ne lui enlevez plus ça. C'est l'enfant de Mendoza biologique. Sa mère a fait. On me dit que. Elle n'est pas la seule que sa mère a fait avec Mendoza. Ils sont nombreux. Mais c'est elle qui a pris. Parce que le pouvoir du serpentolor était de coucher avec ses propres enfants. Et Marlène était parmi. Anne Bam. Faut y aller la bémote.
elle, elle a commis l'inceste satanique avec son père. C'est son père biologique. Vous savez que moi, je n'étais pas au courant de ça. Hein? J'ai d'abord réfléchi depuis le matin qu'on m'a donné l'information. J'ai discuté avec la personne pendant au moins 2 heures. Mais dit, maintenant, qui est Badu Narak, 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 Je crois que cette femme a fait plus de... Ou c'est cet enfant. Ou c'est... Il y en a plein qu'elle a fait avec Mondoze, parmi lesquels Marlène. Et que... Augustine, Augustine a dit en bolo, en bolo. Marlène, Bessa, Bengabo Flus. Nous devons d'abord flou, c'est pas pour le pacte. Ngaï a quand même apporté plainte. On va aller exhumer le corps de Mondoze. On va faire le test ADN. C'est son père biologique. Hein? Elle a couché avec, pas le mari de sa mère, non, son père. Son père. Voilà pourquoi elle en veut au gouvernement camerounais. Parce qu'elle voulait rien dans ce Cameroun. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué. Là. Elle a l'aigle qu'elle a tatoué entre ses cuisses pour voler. Oh! C'est pour voler haut dans ce Cameroun. Ça a été fait en Guinée équatoriale. Le voyage qu'elle a fait pour sortir avec le fils Obiang, elle était avec son père. Elle est partie en Guinée équatoriale. Et il était dit que qu'il fasse un coup d'état à Paul Biya depuis la Guinée équatoriale. Je pèse mes mots quand je parle. Elle avait fait ce voyage avec son père incestueux. Même si je ne ferme pas, c'est pas grave. J'ai un beau corps. Mon corps est propre. C'est pas grave. Je suis assise chez moi. La braguette, c'est... Prenez. Vous avez déjà pris ça à Milouz, non? Ça a changé quoi dans ma vie? Hein? Je suis en train de parler des vraies choses du Cameroun. Marlène, le voyage au Gabon, Guinée équatoriale, mais ça, un peu fou et bon. C'était pour venir faire le coup d'état. C'est pour ça que le monsieur est mort en prison. Puisque Obiangema avait dit qu'il va payer l'argent que Paul Biya réclamait à Mondoze. C'était pas ça le problème. Ce n'était pas l'argent. C'était un coup d'état préparé. Voilà pourquoi le monsieur est mort en prison. Voilà pourquoi Marlène et Mvoutou étaient envoyés en prison avec son père incestueux. Vous comprenez? Vous comprenez? L'argent devait être payé. Donc la richesse, tout ce qu'elle vit là maintenant, c'est le karma des marabouts, de tout ce qu'elle a fait. Parce que ces choses ont toujours les répercussions néfastes. C'est comme un fou qui a fait l'école. Si tu crois un fou qui a fait l'école en route, hein, tu peux le prendre comme répétiteur de tes enfants. Hein. Tes enfants vont réussir les examens. Hein. Un fou intellectuel
n'a pas perdu ses sens de savoir. On avait notre voisin, monsieur Afad, la père de Mathilde Brown, père à son âme. Ses enfants avaient les répétiteurs, un répétiteur fou à mathématiques. L'homme-là était, c'était un déréglé mental, mais c'est lui qui répétait les maths à ses enfants. Et il réussissait dans ce domaine. Marlène est restée avec les séquelles de la richesse dans sa tête. Elle en veut à la famille présidentielle parce qu'elle avait préparé un coup avec son père. Vous comprenez? Elle avait préparé un coup avec son père pour voler comme l'aigle sur les Camerounais. Dans ce Cameroun. Où c'est les MRSC, vous la suivez maintenant parce que vous ne connaissez pas le problème en fond, de fond. C'est ma soeur. Je peux dire, je ne peux même pas l'appeler ma soeur parce que quand on dit soeur en français, ça veut dire que vous êtes... C'est une compatriote du monde. On s'exprime. Elle parle, elle comprend quand je parle. Ah, Ojo Mado. Mais c'est pas ma soeur. Parce qu'elle et moi, nous sommes opposés. J'ai jamais mis pied sur mes marabouts. Je ne connais pas les marabouts. Je ne connais pas les marabouts. Elle a couché avec son père biologique, le professeur Gervais Mendoza. Je parle comme vous me voyez là. Je ne me cache pas. Je n'ai pas mis de filtre. Je ne cache rien. Je ne mange pas dans la main du gouvernement camerounais. Jamais de la vie. Je ne mange pas dans la main du... Elle se contredit, Christelle Mungue, parce que vérité de ma katouamiani, c'est la vérité que je vous parle là. Vous êtes en train de tâtonner. Je te dis que la personne, j'ai d'abord dit, j'ai dit, elle m'écrit jamais. Elle a écrit 4 messages, elle a effacé. D'habitude, quand quelqu'un fait ça, moi, je te contacte pas. Hein. Je dis, bon, tu n'as pas voulu que je lise, tant pis. Mais c'est parce que mon cœur, j'ai dit, après, je l'ai écrit, ce sont des personnes qui me respectent. J'ai dit, pourquoi tu as écrit? Tu as effacé. Elle dit, je peux t'appeler? J'ai dit, oui. Sachant que ma moralité, je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. J'ai pas été, j'ai pas poussé très loin à l'école, mais j'ai une éducation de base. Si vous pouvez déjà publier quelque chose, ça veut dire que la personne m'a poussé à bout. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as poussé à bout. Tu es peut-être que tu veux devenir influenceur. Il y a des fois, je vois que tu veux que je fabrique ton image. Je dis, ton petit jeu là, je ne vais pas tomber dessus. Je ne vais pas te publier. Je n'enregistre pas les gens. Madame Afan, quand elle voulait expulser Mvoutou de sa maison, sa sœur m'avait contacté. J'étais en lien avec Flore de Lille. Pour montrer à Flore de Lille qu'elle était en train de vouloir arracher la maison de quelqu'un. Je voulais que Flore de Lille fasse le direct pour que la femme la récupère. Parce que moi, j'étais toujours au courant qu'elle veut arracher sa maison par les pratiques. C'est comme ça que j'avais enregistré cette femme et envoyé à Flore pour que Flore ait les preuves de ce que. Parce que je ne veux pas permettre que je suis au courant qu'on va arracher la maison de quelqu'un. Je suis là, je suis assis, je ne dis rien. Non. Mvoutou est possédé, c'est un fait. Les gens qui l'écoutent font rire. Elle-même se revendique de maîtriser l'art de la manipulation. Et qui est le père de la manipulation? Elle ne peut pas manipuler. Elle ne peut pas manipuler. Elle ne peut pas manipuler. Tu le sais. Tu dis que parmi toutes les femmes qui étaient sur le net, la seule que tu as vu que tu peux inviter dans ton mariage, c'est moi. Mais je ne suis pas venue. Je t'ai posé un gros lapin. Tu ne m'as jamais inspiré. Je savais que je venais là-bas pour dépenser. Mon argent est calculé.
Je ne dépense pas pour n'importe quoi. Tu vis la richesse dans ta tête. Tu es resté avec les séquelles de miauler sur Facebook. L'aigle que tu as tatoué entre tes cuisses là, ça s'est transformé en chat. Ça s'est transformé en chat qui miaule. On s'est miaulé dans les réseaux sociaux. Je suis, tu n'es plus rien. Tu voulais être, mais ça a échoué. On ne touche pas au Nomangi. Tu sais ce qu'on appelle Nomangi? Tu as compris avec ton père. C'est pour ça que Nomangi l'a laissé couler en prison. C'est pas à cause de l'argent. Tu le sais comme Obiang voulait payer la dette. Tu le sais? Tu connais la signification de Nomangi? Nomangi? Tu es né quand? Quelqu'un à qui tous les chefs traditionnels du Cameroun ont donné le pouvoir? On est ça? On est ça? On va bien lever. La personne qui t'a conseillé t'a menti. Le diable est un menteur. Le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Ne viens pas insulter le chapitre sur mon direct. Jeanne Zobo, s'il te plaît, respecte mon direct. Quand j'ai fait la paix avec cette dame, et ma paix, quand je fais quelque chose, c'est sincère. C'est sincère, je suis très sincère. Je ne suis pas dans les histoires de Facebook. Ne viens pas insulter Guylaine Chapuis sur mon direct, s'il te plaît. Je respecte. Quand tu l'as publié là, tu es mon ami, je ne me vois pas venir commenter. Quand tu publies les choses normales, je viens commenter parce que tu es ma soeur et ton. Donc, s'il te plaît, ne viens plus insulter Guylaine Chapuis dans mes directs. Respecte mon mur. Ngungol. Voilà. Si vous avez vos contentieux, réglez ça entre vous. Moi, j'ai fait la paix avec elle. J'ai fait la paix avec elle parce que j'ai mes yeux spirituels. Voilà. Oui, j'ai fait la paix avec elle. Ça, c'est depuis près de 2 semaines aujourd'hui. Donc, on peut bien mirouer. Un mirouer, je vois. Mazouka mirouer. Non, mais c'est commenté. C'est ton mur. Donc, je voulais t'appeler. Je voulais déjà te dire que Guylaine Chapuis, mon a. C'est pas elle qui a demandé, c'est moi qui suis allé vers elle pour faire la paix. C'est moi. Parce que j'ai estimé qu'elle ne m'a rien fait. Pour que je continue. Je suis allé, j'ai commencé à lui manquer de respect parce que je défendais mes amis. Maintenant, j'achète tous les problèmes des gens sur les réseaux sociaux. J'achète tous les problèmes des gens sur Facebook. C'est bon là. Personne n'achète pour moi. Je suis assez armé. Mon arme, c'est ma langue, c'est ma vérité pour me défendre. Et les vraies personnes me suivent. Quand je veux sortir, comme je sors là, je sors. J'ai mis mes méga 5000 francs pour parler. Personne ne m'a envoyé les 10 euros ou 8 euros. C'est mon argent. Et Dieu seul sait que, avec 5000 francs, j'achète le pain de 2 jours à mes enfants. Mais j'ai mis le crédit pour parler à Marlène Mvoutou. Les gens de la base qui suivent Marlène Mvoutou, vous êtes les 100 personnalités. Vous, qui suivent Marlène Mvoutou, qui partez maintenant s'allier à elle, elle vous manipule. C'est une manipulatrice. Mais vous faites comme vous voulez, hein. Je m'en fous, chacun fait comme il veut sur les réseaux sociaux. Si ça vous arrange, si ça vous donne, je ne sais pas quoi, ça vous arrange.
son combat, elle vous l'a toujours dit, c'est spirituel. Je vous dis, entre ses cuisses-là, là, elle a l'aigle, le malin de Madjouk. Madjouk, on a tatoué aigle, et c'est un bébé. Là, on se volait haut, sur les Camerounais. Et c'est ce que. Il te reste juste ça sur la tête. Entre tes jambes, tu as utilisé ton entrejambe pour voler haut sur les Camerounais. Mais ça t'a raté. Nous, on a que nous, on a parce que nous oublions le Aïe. On a que nous, on a si tu arrives à un bon moment dans mon dos, avant la bémo, tout en gabiao, bang. À bémo. À bémo. C'est pour ça qu'on vous dit que le diable vous trompe. Non seulement au bon moment, il sort. Et ça en gabiao. La fille là, elle sortait sur Facebook, tu couchais avec ton père, tu couchais avec ton. Moi, je disais que c'est le sabotage. Moi, je disais que c'est le sabotage. Mais la personne qui m'a dit ça, je dis, waouh. C'est une histoire qui est compliquée. C'est pour ça qu'il était question qu'il y ait une prison. C'est une affaire d'État. Ce n'était pas une affaire de détournement d'argent. Je suis désolée. Il a voulu faire le coup d'État en Nongui. Et toi, tu voulais être ou c'est la fille, ou c'est quoi? Parce qu'on a en même temps, première dame et la fille du président. Oui, oui, oui. C'est pour ça que tu en veux à Chantal Biya. Il faut souvent dire tout. Hein. Ne viens pas t'asseoir sur Facebook et dire nous on vous qui? Tu es seul dans ton dème. Arrête de dire nous. C'est comme ça que tu faisais que nous à l'ambassade, nous en train de. Nous, tu aimes utiliser ce mot nous. Pourquoi tu n'as pas réussi à bloquer mes visas? Tu disais que tu nous, l'ambassade et toi, tu travailles déjà au ministère de l'Intérieur en France. Tu travailles déjà avec Macron pour bloquer mes visas. Pour me bloquer quand j'arrive en France. Malin, tu connais déjà mes dates quand je voyage. Fin mars. Je serai là. Je rentre en avril. Si je veux passer l'été en Europe, cette année, j'irai encore en été. Après, je repars en septembre ou octobre. C'est là où je fais mon tour du monde, États-Unis, Canada, machin. Après, je repars en novembre. Je pars 3-4 fois par mois, par année. Je ne cache rien de ma vie sur Facebook parce que je suis clean. Va dans le monde de la nuit, tu ne vas pas me trouver là-bas. Me taper au gueule à mousse. M'a tapé au gueule à mon sang, parce qu'à l'eau avec ma haine, tu ne me verras pas. Tu dis sur Facebook que tu es initié, mais c'est vrai, tu as tatoué l'aigle entre tes cuisses. Tu as envoyé Chantal Biya. Elle t'a dit qu'elle a fait des pratiques pour être l'épouse du président. Même si, pour elle a réussi. Toi, tu es dans l'indem, parce qu'au bilan, Goutanou. Tu as couché avec le père qui t'a accouché. Maintenant, tu peux. Maintenant, je te l'accorde. Et publie maintenant mon père. Publie maintenant mon géniteur. Là, maintenant, je te l'accorde. Chantal Biya, j'avais couché avec Bigou. Jean Zobo, je te dis la vérité comme je te parle là. Toi et moi, nous sommes sur WhatsApp. Tu n'as jamais vu allumer la caméra pour venir saboter quelqu'un sur Facebook. Hein. Je ne fais pas dans le sabotage. Je ne fais pas. C'est pour ça que vous me voyez même souvent prendre du recul. Quand je vois déjà les classes vont dans tous les sens là, c'est Coco Lago qui se lève, c'est l'amour qui se lève. Chacun vient raconter ses conneries. Je les regarde à distance. Parce que je reste droite. Dans mes bottes, je suis une femme de valeur. Je ne fais pas de clash pour saboter les gens.
Je ne déprime pas au Cameroun. Et mes prochains voyages, je ne vais pas dépasser un mois en Europe, en Mbeng. Parce que là-bas, c'est la déprime totale, les gens s'ennuient. Tu es obligé d'écouter les conneries, tu es obligé de aller commenter n'importe où, tu es obligé de dire n'importe quoi. Ici, on n'a pas ce problème au Cameroun. Elle voudrait accoucher. Mon danger, c'est son père biologique. Je vous le confirme aujourd'hui. Elle a signé les pactes. Elle a signé les pactes. Elle a même bu le sang, je suis sûr. Parce que quand un enfant, que Bouman est sort en Abiyawa, on ne parle même pas de que tu vas coucher avec le mari de ta mère, ça c'est autre chose. Que Bouman est sort en Abiyawa, tu couches avec le père, le papa, un homme qui t'a accouché, ton père géniteur. Ça dit que même nous, quand tu vois même que ton père est couché au salon et que peut-être qu'il est malade, les bisous de famille sont, t'as dit que tu prends le pain, tu pars à marche arrière. Si on te dit que c'est comme ça, tu pars couvrir. S'il n'a plus, il n'est plus à l'état. Tu pars couvrir parce que tu ne veux pas voir. Si tu es seul avec ton père dans la maison et ton père a besoin que peut-être qu'il a fait popo dans le machin, qu'il est à ce niveau, parce qu'il faut, pour arriver à ce niveau, il faut que le père là fasse, peut-être qu'il a fait les choses pas possibles de sa jeunesse, au point où son enfant doit avoir sa nudité. Je ne parle même pas de toucher ou de sentir ça. Mais vous savez ce que... C'est pour ça que vous... J'ai toujours dit que vous êtes poisseuse. Les choses immondes, je te dis ça, je dis que j'ai dit que j'allume la caméra, j'allume, je sais qu'elle est là sur la fenêtre, j'allume la caméra, moi je ne fais pas dans la diffamation sur les réseaux sociaux. Elle vit la richesse dans sa tête. C'est pour ça qu'elle a voulu, elle se passe, oh les prostituées, aime vous tout. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Hein. Les hommes eux-mêmes aiment les prostituées. Si tu n'es pas la pluie de ton mari, tant pis pour toi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à regarder un homme. Mais ma couronne, quand tu sois la pluie de ton mari, tu n'arrives pas à regarder un homme en dehors de mon dossier parce que tu n'es pas la pluie de ton mari. Je suis désolé. C'est pour ça que tu es parti soulever un puceau. Les prostituées savent garder les maris. Tu peux discuter un homme avec une prostituée. Tu ne peux pas. Pourquoi vous lui accordez que quand il dit les prostituées, les gens s'indignent. Oh, pourquoi il dit ça? Pourquoi machin? Tu n'es pas la prostituée de ton mari. Tu n'as pas d'homme. C'est pour ça que tu es frustré. Il faut être professionnel pour garder un mari. Tous les hommes sont les vicieux, les pervers. C'est pour ça qu'ils vous trompent comme ils veulent. Hein? Une prostituée, tu as ce mot dans la bouche, comme si c'était une parole d'évangile. Prostituée, c'est le plus vieux métier du monde. En Suisse même, c'est légal. En Suisse, tu connais, tu sais pourquoi papa Paul Biya est allé en Suisse avec maman Chantou. Tu sais ce qu'ils font là-bas? C'est légal. C'est légal en Suisse. Les couples libertaires en Suisse, qu'ils ne trouvent que le bonheur quand ils font ça ensemble avec d'autres couples. C'est leur vie intime. Tant qu'ils ne viennent pas exposer ça sur la place publique, ça les regarde. Tu crois que quand tu dis les prostituées, ça veut dire quoi? On t'a dit qu'un homme qui a épousé sa femme, même si c'est que les prostituées, il va la refuser. Hein?
Le Dieu qui peut la sauver, là, c'est qu'elle donne sa vie à Jésus. Point. C'est là où je devais arriver. C'est là où je devais arriver pour conclure. Hein? La seule chose qui peut te sauver, parce que tu es en train de divaguer, tantôt tu es au Cameroun, tantôt tu es ceci, tantôt tu pars, tu montes en France, tantôt tu nous sors le discours comme quoi tu n'as jamais aimé vivre en France, tu aimes vivre au Cameroun, tantôt sors au Cameroun, tu montes, tu descends, tu veux confisquer les maisons des gens, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu es au tribunal, tout le Cameroun te connaît. Montezéa dit que l'histoire, oui. Montezéa dit que l'histoire au Cameroun est un vautour. Namondozéa, il y a c'est vrai. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul enfant que ta mère a eu avec Mondozéa. Mais c'est toi que ce sorcier avait choisi. Tu comprends? Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Dans les yeux, ma loubromie, c'était. Tu ne peux rien me faire. Le sang de Jésus sur toi. Le sang de Jésus sur toi. La personne qui tente sur moi, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ce que tu tentes sur moi, ça se retourne contre toi. Que ce soit en bien ou en mal. J'ai ça en moi. Allez me chercher dans le noir, vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas. Dans le noir, qui est-ce que vous avez dit, je suis un peu plus. Je ne suis pas dans le monde bizarre des ténèbres. Je suis né dans la lumière. Né d'un père et d'une mère mariés. Légalement. Cherche un bon pasteur. Cherche un bon homme de Dieu. Quand je dis pasteur, je n'ai pas dit prêtre. Je dis pasteur. Maman Kato, maman Kowode. Tiens, un pasteur. Le pasteur va confesser, il y a le Jésus. Il n'y a pas de délivrer. Confesse tes péchés. Et tu seras délivré. Sinon, je suis tombé au Wopson. Sinon, on se tombe comme ça. Ok. Sinon, on se tombe parce que. Oui, ben, ça va coûter un sang. Et bien, mon gars, mon amour, toi, mon gars, il sort. C'est connu. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché du tout. L'aigle est devenu chatte. Tu es devenu une chatte qui miaule sur Facebook. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Il te reste les séquelles. Et Singhi. On miaule, on tient des Singhi Facebook. On a joué la wetabe aigle. Donc, on a fait l'aigle entre tes cuisses. Tu as tatoué l'aigle entre tes cuisses. La personne m'a dit. Que l'aigle que tu as tatoué entre tes cuisses là. Va enlever ça, pardon. Va enlever. Tatoue le chat. Parce que ton... C'était pour régner. Tu devais régner. Sur les Camerounais. C'est ce que tu montres là, ça reste dans la tête. Richesse Wally avant l'OT. Au point où tu n'arrives même pas à faire la différence entre un T3 et un studio. Au nom de ta fille qui a été, qu'on lui a accordé en France. J'ai eu pitié à ta place hier. J'ai eu pitié de toi. Le cinéma que tu es parti faire, tu dis que tu veux montrer. Ah, c'est l'amour. Tu bip, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Une photo. Au son.
Osson, tu es encore à ce niveau. Tu es encore à ce niveau. Tu es encore à ce niveau où ta fille commence un petit travail d'aide-soignante. On lui attribue un petit appartement dans un HLM. Tu vas te vanter avec ça. En France. En France. Alors que tu dis, tu as déshabillé le fils du président de la Guinée équatoriale. Tu as déshabillé le directeur général de la CRTV au Cameroun. Qui est ton géniteur? Tu as régné en maître sur les millions au Cameroun. Tu as aidé le professeur Gervais Mendoza, le plus laid Camerounais au Cameroun. Tu as fait les choses immondes. Voilà ça qui te rattrape. Madjoula, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir étant folle. Lui, il est mort en prison. Toi, tu vas mourir étant folle. Sur ce, bonne journée à vous. Merci.